Nous sommes en 1984. Et Steve Jobs sait qu'il va complètement révolutionner le monde informatique. Il sait qu'avec le Macintosh, il va donner naissance à un mythe. Faire, comme il le dit lui-même, une encoche dans l'univers. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est qu'un an après ces images, il sera viré d'Apple, l'entreprise qu'il a fondée dans son garage.